Hello, coucou, bonjour. Eh bien écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche rouge juste à côté. Je vous propose dans cette vidéo la voyance guidance pour le signe de la Vierge pour le mois de juillet 2019. Bien entendu, c'est un tirage général. Les grandes énergies qui concernent l'ensemble des natifs et natives du signe de la Vierge. Bien entendu, individuellement, la situation peut être un petit peu différente. Et là, dans ce cas-là, il vaut mieux faire des tirages privés de guidance. Je vais vous réaliser ce tirage-ci avec le tarot des fées, voilà, qui est très, très puissant, finalement, qui est très parlant pour ce genre de tirage. J'espère que vous l'apprécierez. Voilà, on va y aller pour les Vierges, mois de juillet 2019, que nous annonce le tarot. Voilà, les grandes lignes, les grandes énergies. Que va-t-il se passer pour les natifs du signe de la Vierge pour le mois de juillet 2019? Hop, approche un peu. Allez, on y va. Alors, d'où ça part? On va dire les semaines qui vont avoir précédé ce fameux mois de juillet. Votre appel a été entendu, la réponse ne tardera pas à vous parvenir. Voilà, c'est ce qu'on vous le disait, peut-être sur mai, sur tout cet hiver, sur avril, mai, juin, et ça a été le conseil donné. Pour le mois de la situation actuelle, d'accord? Ou ce qui va arriver sur le mois de juillet. J'ai des jolis rêves apportent des visions prémonitoires. Vous avez demandé des choses et vous commencez sur ce mois de juillet à avoir des signes, des espèces de signes de synchronicité que les choses vont se produire. Et vous avez raison d'attendre d'ailleurs parce que vers quoi ça va évoluer, c'est pendant cet été, hein, tout ce mois de juillet, mais peut-être aussi ça peut déborder sur le mois d'août, c'est vos attentes sont à la mesure de votre mérite. Il s'agit de rester loyal et d'avoir des demandes qui soient à la hauteur de ce qui est possible. Bien entendu, il ne s'agit pas non plus d'avoir des demandes qui soient complètement inaccessibles. Mais à partir de où vous avez foi dans vos demandes et que vos demandes correspondent à quelque chose, un réel besoin, quelque chose qui ne dépasse pas non plus le domaine du possible, qui sont à la hauteur de qui vous êtes, vous allez avoir et être récompensé à la hauteur des efforts que vous avez fournis et de ce que vous donnez. Alors, d'une façon proche, ce qui peut se produire d'une façon proche, j'ai l'harmonie prévaut, des opportunités en or vous attendent. Voilà, il y a une petite phase d'attente, hein, quand même. On sent que les choses n'ont pas vraiment bougé beaucoup sur le mois de juillet. Vous allez avoir des signes de tout ce que vous avez demandé vont se produire, mais on est encore dans une forme d'attente, mais une forme d'attente active. Je vous ai conseillé quand même d'ouvrir l'œil, de surveiller tout ce qui se passe. Un petit peu plus éloigné d'ailleurs, ce sera sans doute vers la fin de l'été, j'ai pour message, les fées vous assurent amour et protection. Osez, osez, vous serez récompensé. Voilà, il va être temps, sans doute, après que vous ayez reçu tous les signes, toutes les instructions, tous les enseignements de ce que vous avez demandé, tout ce que l'univers va vous dire, il va être temps dans un second temps de passer à l'action. Et je vois ça plutôt vers l'automne, vers le mois de septembre. Pour l'instant, vous allez vraiment avoir tout un tas de signes que les choses que vous avez demandées, tous les efforts que vous avez fournis ces dernières semaines, ces derniers mois, ont été rendus, vont se réaliser. Vous allez avoir les instructions, comment vous y préparer. Comment prendre les choses en main, et il va être temps ensuite de passer à l'action, mais il ne vous est pas spécialement conseillé de passer à l'action maintenant, précipitamment. Et vous allez, pas comme enseignement, mais comme message qui vous est donné, vous progressez à grands pas vers la lumière, les ombres s'effacent. Voilà, c'est le géant, printemps, vous progressez à grands pas vers la lumière, les ombres s'effacent. Donc vous voyez que là aussi, à partir du moment où vous allez vous mettre en marche,
Mais aussi, à partir de ce moment où vous allez accepter d'écouter les signes qui vous sont donnés, vous allez progresser à grands pas vers ce que vous avez demandé. Vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Et d'ailleurs, ce qui rythme ça, d'ailleurs, c'est une carte d'été, d'ailleurs. C'est le défilé des fées. Le désir et l'amour vous appellent. La nature répond à vos prières. Vous voyez que les choses sont bel et bien entendues, sont bel et bien en train de se mettre en place et vont bel et bien se réaliser. Et donc, il est vraiment important que vous écoutiez vraiment tout ce qui va se produire autour de vous, tous les signes pour ce mois de juillet. J'ai en synthèse quelque chose qui est quand même très puissant et qui augure vraiment de très bonnes choses, mais qui est vraiment la finalité de tout ce que je vous dis, et donc qui confirme vraiment tout ce que je viens de vous exprimer au travers de ce tarot, au travers de ces ressentis que j'ai pu en avoir, et au travers des messages dont je vous ai fait la lecture. En synthèse, j'ai les fées font déferler sur vous une pluie de cadeaux, c'est-à-dire que vous allez recevoir tout ce que vous attendiez, tout ce que vous avez demandé. Et ben voilà, tout va bien. Hein. Soyez donc attentif à tout ce qui va vous être dit, tout ce qui va être présenté pendant ce mois de juillet. Les choses, vous allez recevoir plein de signes et les choses se mettent tranquillement en place pour que vous puissiez passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut vraiment que vous écoutiez toutes les instructions et tous les signes qui vont vous être apportés. Voilà. Et ben voici pour les signes de la Vierge. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Alors bien sûr, ce sont, comme je vous le disais, des énergies générales. Au cas par cas, ça nécessite des tirages et des guidances personnalisées. Si vous en avez besoin, le lien est sous la vidéo. En tout cas, si vous avez apprécié ce tirage, eh ben, un petit pouce bleu me fera plaisir. N'hésitez pas à partager avec vos amis nés sous le signe de la Vierge. Moi, je vous dis à très bientôt.